Kinship en anglais, c'est la parenté. Ce sont ensemble des liens qui unissent les membres d'une même famille. Alors, c'est la famille de sang, bien sûr. Mais c'est aussi la famille qu'on se constitue tout au long d'un parcours de musicien. Et donc, avec ce disque, j'ai choisi de rendre hommage, de saluer 11 membres de cette famille musicale pour certains depuis plus de 25 ans, m'accompagne, m'inspire, me motive, me procure toujours plus de raisons de continuer cette aventure et sont vraiment des modèles que j'essaye de suivre dans mon parcours personnel. Is a beast of a composer and pianist. I guess I met him about a year ago, and I had the opportunity to sub for the Lafayette Suite, which was some of the most challenging music that I've ever played, and it was like something that you have to prepare for. So that was a great experience within itself. And you know, he called me maybe a couple months ago and mentioned this trio recording, and I was like, yeah. And I was excited to see you know, if there might be overlap with things that he wrote for the suite, which there are, and then I'm hearing other aspects of his compositional ideas in a smaller setting, which has been really cool. And I met years ago, I think in Paris. I was out there with Tom Harrell, and he came to shows, and we, you know, we got talking. We've always been talking about, you know, wanting to record together, and so I'm glad it finally happened. And he really wrote some great music, really, you know, specifically geared for trio, you know. Yeah, I liked how Laurent presented a lot of the songs in a different way as far as messing with forms, and so it made it very interesting. Also, it was my first time playing with Josh, and you know, I've heard him over the years. He's an amazing bassist, but to really get to play some time with him was amazing. I had a ball. Première phase qui est solitaire, qui consiste à écrire la musique avec des musiciens à l'esprit, en l'occurrence Joshua Crumbly et Jonathan Blake. C'est vraiment ensemble, au moment où je soumets cette musique et dans le travail collectif, qu'elle va prendre sinon une forme définitive, puisqu'évidemment sur scène elle va continuer de grandir, d'évoluer et de changer, mais en tout cas une forme qui sera celle du disque et sans doute pas celle que j'avais à l'esprit quand j'écrivais la musique dans mon coin. C'est par la puissance de notre association
qui fonctionne vraiment de manière très spontanée, dans le moment, dans des échanges complètement imprévus et certainement pas prémédités, que cette musique se fabrique. Et c'est aussi par la puissance du collectif qu'on se retrouve à jouer des choses qu'on n'aurait jamais jouées autrement. C'est à chaque fois un miracle qui, quand il se produit, procure un bonheur immense.